présidente fondatrice du Repose Guy, en compagnie de plusieurs secrétaires et invités, ont fêté les mérites des secrétaires, attachés de direction et assistants administratifs du pays. Cette 6e édition de la GISA a donc été mise à profit par la fondation pour discuter des problèmes qui assaillent la corporation, mais aussi et surtout de permettre aux jeunes élèves des filières de secrétariat et celles en poste dans les bureaux d'avoir une panoplie d'informations sur les enjeux du métier. Abriter la dite conférence débat dans les locaux de l'ANSAC est un acte légitime et naturel de reconnaissance posé par Mme Hadja Fatmata Doumbouya, présidente fondatrice de Repose Guy, à notre école qui est incontestablement la référence dans ce domaine. Mais d'ores et déjà, je tiens à vous dire que le style professionnel approprié me manque pour parler de la GISA, du rôle et de l'importance du secrétaire dans l'administration. Je rends à César ce qui appartient à César. Autre particularité dans cette édition de la GISA 2018, c'est l'intégration de la pratique de l'éducation physique et des sports qui est un droit fondamental, voire une nécessité, d'où l'initiation du volet sport dans le cadre de la célébration du mois de la secrétaire. Qui dit la secrétaire dit sport forcément. Le métier nous impose une stature assise au courant d'une quarantaine d'années d'exercice de la profession. Vous vous imaginez que c'est en elle-même, cette position en elle-même est une maladie. Alors j'ai pensé, parce que moi je suis vraiment une sportive à l'époque où j'étais sur les bancs, je me suis dit pourquoi pas ne pas revenir à cette habitude. Venue honorer de sa présence à cette cérémonie, la présidente du Conseil économique et social, la secrétaire de direction d'alors, aspire à ce que cette profession qui constitue un maillon soit dans l'esprit des décideurs du pays pour, dit-elle, la révaloriser. Hadja Rabia Toussera Diallo invite par ailleurs la corporation à plus de solidarité. Je félicite cette association et en particulier Mme Fatmata Doumbouya qui est la présidente, mais il faut qu'elle soit solidaire, que le secrétaire soit solidaire, parce que je sais qu'il y a nos anciennes secrétaires, qui ont un autre groupe de secrétaires qui sont formés. Il faut qu'elles arrivent à travailler ensemble, il faut qu'elles arrivent à créer une synergie entre les secrétaires pour préparer la relève de la jeunesse et qu'on lutte ensemble pour faire comprendre que le secrétariat ne doit pas et ne peut pas disparaître. Détentrice du secret de toute administration, la secrétaire doit avoir un bagage intellectuel, une bonne expression orale et écrite, une maîtrise de l'outil informatique et de l'Internet, qui est un atout souhaité par la fondatrice du Repose Guy, d'où le thème retenu cette année, le secrétariat à l'ère du numérique.